Les adeptes de la princesse de Galles, Kate Middleton, attendent avec impatience ses sorties. Il serait prévu que le roi Charles III d'Angleterre accueille le couple présidentiel de l'Afrique du Sud en novembre. À l'occasion du dîner d'État de cette visite d'État officielle, Kate Middleton pourrait ressortir un magnifique accessoire qu'elle n'a pas porté depuis 3 ans. D'ici très peu de temps, l'épouse du prince William pourrait très bien porter une magnifique tiare qu'elle n'avait sortie que pour 2 occasions en 2019. D'après l'article du Mirror du 4 octobre 2022, le roi Charles III d'Angleterre, 73 ans, devrait effectuer sa première visite d'État en novembre. Il serait prévu que le roi Charles III accueille le président et la première dame de l'Afrique du Sud. Le programme officiel pour l'accueil du président Cyril Ramaphosa et de son épouse Tshepo Motsep n'a pas encore été dévoilé. Mais comme à chaque visite officielle, il serait fort probable qu'il ait un dîner d'État, rappelle le Mirror. Et pendant les dîners d'État, les femmes de la famille royale sortent toujours leurs plus magnifiques tenues à paras. Si un dîner d'État a lieu lors de cette visite du président de l'Afrique du Sud et de son épouse, Kate Middleton, princesse de Galles, 40 ans, pourrait très bien sortir son magnifique diadème. Le Lover's Knot est cette superbe tiare que Kate Middleton a portée lors du dîner d'État organisé à l'occasion de la visite de Donald Trump et de sa femme en 2019. Kate Middleton, la princesse de Galles, pourrait porter le Lover's Knot à l'occasion de cette visite de l'ancien président américain et de la première dame. Kate Middleton s'est illustrée dans une robe Alexander McQueen. La princesse de Galles l'a associée à ce magnifique diadème, le Lover's Knot, qui la rendait si majestueuse et élégante. Plus tard, au mois de décembre 2019, la maman du prince George, 9 ans, de la princesse Charlotte, 7 ans, et du prince Louis, 4 ans, a porté encore une fois ce diadème. Kate Middleton, princesse de Galles, l'a portée pour la dernière fois lors de la réception diplomatique annuelle au palais de Buckingham. L'épouse du prince William, prince de Galles, 40 ans, l'a encore associée à une robe Alexander McQueen. I think